ravageurs ont repris garage. Méfiez-vous, ils ont branché une alarme pour prévenir les troupes les plus coriaces. Oh!
inutile. C'est bien que ce soit vous qui parliez à Joseph. On est dans la merde. On va enfin pouvoir revivre. Je suis contente que vous soyez de retour, mais je vois bien que vous êtes entrée dans la grâce. Je vous avais dit pourtant. J'espère que Joseph vous a donné ce que vous vouliez, mais on a un nouveau problème. C'est Rush. Il a disparu, je sais pas où il est. Il a dit qu'il partait en reconnaissance, mais il est jamais revenu. J'ai un mauvais pressentiment. Je vous en prie, essayez de le retrouver. Je m'occupe des gens ici. Et faites attention. Bonjour, monsieur.
Vous avez sauvé. Surtout sauver ses enfants. Bravo. Bonjour. Ramène ton cul par là, j'ai besoin de ton aide. J'ai un petit problème à base de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que j'ai trouvé Gina, la maman de Blade, l'âme sœur de Urk. La mauvaise, c'est que les ravageurs l'ont enlevée et qu'ils la forcent à participer au derby des prisonniers. C'est leur façon à eux de punir les membres pas loyaux et le vainqueur regagne sa liberté. Le seul problème, c'est que c'est complètement truqué. Personne gagne jamais et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Ouais, faut croire qu'ils lui en veulent encore de nous avoir donné le bébé, plutôt qu'à eux. Sous leur casque à la con, ils adorent les bambins et franchement, je les comprends. Enfin, bref, faudrait que tu te débrouilles pour que Gina gagne et qu'elle reste en vie. Parce que c'est la maman de Blade et que notre famille, c'est sacré, ok? Et puis aussi, je sais pas si t'as déjà vu Urk quand il est triste, mais c'est moche, il se transforme en gros tas de morve et j'ai pas besoin d'un deuxième bébé sur les bras. Alors pitié, je t'en supplie. Sauve Gina. Joue les snipers avec tous les connards qui s'approcheront d'elle. On sent comme une vraie communauté ici. Pourtant, c'est déjà gagné. C'est pas assez proche, ça, non? On les a eus, les trous de cul. On peut toujours retourner piller une forteresse, mais ça va être plus dur. Ou on peut aller ailleurs avec ma grosse patate, au pont Navajo. Bonne chance.
arrêt de bus au sud-ouest. C'est là que je vais te retrouver. Je m'habituerai jamais à avoir... T'as la tête dure, lapin. On t'avait dit d'arrêter tes conneries. T'as pas écouté. On a enlevé tes amis, on a pris Rush. Viens nous voir à l'ancienne usine d'engrais. Vous allez tous avoir droit à une leçon. Comme si on avait agrandi un abri de jardin au mal.
J'aime bien cette chanson. Dans ce monde, c'est le pouvoir. Et toi,
direction. Restez pas là! Vite! Ça me rappelle quelque chose. Comme une grosse impression de déjà-vu. Du calme. Reste avec nous. Ah, regarde un peu. Tu vois comme c'est facile de s'entendre avec nous? C'est ça que je voulais te faire comprendre. Je voulais que tu te rendes compte que ça aurait pu se finir autrement si t'avais choisi de nous laisser tranquilles, comme on te le disait. Pas de chance. C'est le bâton que t'as préféré. Le voilà. Maintenant, je vais devoir passer la nuit à enlever ses rêves et ses espoirs de mes godasses. Oh, tu sais... Juste avant que tu débarques... La vie qu'on avait était absolument parfaite! Et tout à coup... Voilà que tu te pointes dans ton joli petit train avec ton petit monde. Et t'essaies de faire de cet endroit un... n'existera jamais! Quand on essaie de se montrer gentil et raisonnable, tu trouves rien de mieux à faire que de remuer la merde! L'enfant! Et encore! Et encore! Ça, parce que t'as cru que vous auriez un avenir, toi et tes amis. Mais y a pas d'espoir! T'as pas d'avenir! Pour faire ça, l'issue! Michel, Louise, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Non, de toute façon, tu viens pas avec nous. J'ai pas le choix. Votre père... Papa dit que si t'es pas avec nous, c'est que t'es contre nous. C'est pas aussi simple. Si, c'est simple. Faut que j'y aille, maman. Il y a papa. Michel... Ta sœur et toi, vous devez vous protéger, parce que votre père le fera pas. Il a des grands projets, mais tout ce qu'il fait finit toujours dans la violence. Papa résout les problèmes. Il les crée. Il laisse une traînée de cadavres derrière lui. Il se fout de faire des victimes. Ne finissez pas comme lui. Promettez-moi que vous ne deviendrez pas comme lui. C'est bon. Merde, t'as vu ça? Ça vient d'où, cette force surhumaine? Tout était normal jusqu'à ce qu'il aille au nord. Il est peut-être temps qu'on pose des questions aux cinglés.
suis désolée. Je suis désolée d'être montée dans ce train. Je suis désolée de vous avoir conduit à Hope County. On vous oubliera jamais. Vous avez pris des risques pour nous, et ça vous a coûté la vie. Tout est de ma faute. Vous serez fiers de nous, Rush. Je vous en fais la promesse. C'était un type bien. Altruiste. Et vous... Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Oh, putain, les jumelles ont toujours un coup d'avance. Il nous faut une autre approche. Je vais aller parler à Carmina. Si vous voulez que je vous explique mon plan, revenez me voir. Capitaine ? Salut, l'ami. On est tous bouleversés par la mort de Rush, mais on doit continuer. Même si je déteste l'idée de parler à Joseph, je dois bien admettre que l'attaque du Nouvel Éden contre les Ravageurs nous donne l'occasion de les prendre par surprise. Je parlais aux éclaireurs. Il paraît que les Ravageurs organisent des combats pour faire des paris près des anciens vergers. Le promoteur là-bas prétend être un proche des jumelles. Je sais pas si c'est vrai, mais ça vaut le coup d'aller voir.